Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gavin. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de It's Time to Interview. Et aujourd'hui, je suis avec Fanatic Punk. Salut à tous. Donc, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble. Hein. Et donc, bien sûr, sa chaîne sera dans la description. Donc, voilà. Alors, t'as combien d'abonnés, toi? Une cinquantaine? J'en ai 61. Pour l'instant, je crois. D'accord. Donc, vous savez, donc il y a deux parties dans cette... émission, la partie catch et la partie YouTube. Donc, c'est bon, t'es prêt pour commencer? Je suis prêt, bien sûr. Donc, première question. Alors, depuis quelle année es-tu fan de catch? 2006, un truc comme ça, mais vraiment 2007. J'étais pas tellement dans le catch. C'est vraiment en 2010 que j'ai vraiment commencé à m'annoncer dans le catch. Mais en 2007, je connais le catch en 2007. D'accord. Alors, qui t'a fait aimer le catch? Comme catcheur? Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça, Randy Orton aussi. Ok. Et pourquoi cela? Pourquoi eux? Bah, parce que je sais pas, j'aimais bien parce que ils avaient de bonnes prises. Ouais. Depuis 2007, je regardais pas trop, donc je sais rien du catch. Ok. Donc, j'aimais bien son catch, enfin, j'aimais bien comment il catchait. Et actuellement, qui est ton catcheur préféré? Bah, en termes. Ouais, ok, ça j'ai vu par ta photo de profil. Pourquoi ces deux-là? Bah, Zemis déjà parce que. J'aime pas tellement sa limite d'aujourd'hui, je préfère sa limite de 2011. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, bah. Quand même, il est 5 fois à ta côté de champion, c'est un très bon champion pour moi, je pense qu'il va encore le conserver jusqu'à longtemps. Sinon, Gargano, j'aime bien son catch et son partenaire et sa team. J'ai vu son catch donc avec cette coiffure, il a sorti un de ses putains de matchs. Ouais, le meilleur match de la soirée. Le meilleur match de la soirée contre le Revival. Franchement, ouais. Ouais, j'adore ce catcheur, Johnny Gargano, que j'ai découvert ouais, à la PWG. Un très bon catcheur. Et je suis vraiment content qu'il soit à NXT. Ta team préférée, donc ton équipe préférée? De tous les temps, c'est ton équipe. Vas-y, dis-nous de tous les temps et actuellement. Ok. Ta diva, ta woman's préférée? Alexis. Ok, pourquoi? Pour son finish? Moi j'adore son finisher, personnellement. J'aime bien son finisher, mais elle peut bouger à tout moment aussi. Hein. Je sais pas. J'aime bien son style, son morceau, mais moi je trouve que c'était grave stylé. Surtout que j'adore Bacon Murphy, surtout. Ouais. Donc, en plus, Alexis avec le Bacon Murphy, c'était grave bien. C'est pour ça que j'aime bien. Ok. Donc tu regardes, enfin tu connais un peu l'indie, tu m'as dit que tu regardais pas trop, mais je te pose quand même la question. Ouais, ta fédération préférée, s'il y a une fédération, je sais pas, au niveau du roster, au niveau des matchs qu'il y a eu, laquelle est vraiment, laquelle t'as envie de plus regarder? Ah, de quoi? Tu parles de indie ou de non, indie, juste indie. Là, au niveau de ta fédération, vraiment t'as envie le plus de regarder au niveau de l'indie? Ok. Pourquoi la Lucha Underground? Parce que j'aimerais bien faire John Morrison. Ouais. Je crois qu'il y a là-bas. Ouais. Le Prince Puma qui est là-bas, je sais plus. Ouais, Prince Puma, donc Ricochet. Donc, ouais, John Morrison, il est sous le nom de Johnny Mundo. Ouais, il y a eu des anciens de la WWE. Il y a eu Alberto Del Rio qui est passé par là-bas. Il y a Ezekiel Jackson actuellement même. Donc, c'est une super fédération qui est actuellement en VF sur Action. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir un peu du VF. Alors, le catcheur que tu détestes le plus? Bon, c'est original. Une catcheur que je déteste le plus, c'est la tatine. Parce que ma tatine que je déteste le plus, c'est une idée, donc c'est Xavier Woods. Non, c'est Biggie. Oh, non, Biggie, pourquoi Biggie? Parce que déjà, le gars, il m'a à SummerSlam quand la tatine, quand le coq, oh, il est cool, j'avais envie de lui donner une tarte. Quoi, c'est une merveille comme on dit à SummerSlam. Ouais. Qu'est-ce que tu t'assures, s'il te plaît? Non mais Biggie,
C'est vrai que après, bon, je pense que c'est bientôt la fin du New Day, ça après. Bon, ben. Ils vont se parler. Ouais, donc Big E, je sais pas en solo qu'est-ce qu'il va donner, mais on verra bien ça. Le catcheur que tu. Alors, un catcheur encore une fois indépendant que tu vas absolument voir signer à la WWE. Peut-être que t'as. Qui n'a jamais signé et que t'as déjà vu sur le circuit indépendant qui te plaît. J'avais vu un petit match à l'œil, je crois, de Ricochet. J'aimerais bien le voir, il était plus bien. Ouais, Ricochet, c'est celui vraiment. S'il y a un catcheur que je veux voir, c'est Ricochet. Donc je pense que dans quelques années, il viendra. Le catcheur dont tu veux voir un retour à la WWE. Bah, Tyson Kidd. Tyson Kidd. Ok, mais qui ne sont pas sous contrat actuellement. Donc des anciens qui sont vraiment partis. Ah, sous contrat. Ouais. Ouais, si un punk, je suis d'accord. Mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Le catcheur à la retraite que t'aimerais faire revenir. La retraite. Edge. Edge. Ouais, ça l'a fait marre, donc. Oui, Edge. Ouais, il nous a tous marqué. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un match vraiment qui t'a marqué? Un match que t'as vraiment adoré? De tous les temps. C'était Undertaker vs Shawn Michaels à WrestleMania 26. Ouais. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi, mais on sait très bien. Bah parce que déjà c'était la fin de la carrière de Shawn Michaels. Ouais. Et c'était un très bon match, mais bon, je bats Undertaker, mais j'adore Shawn Michaels donc. Oui, c'était un excellent match et franchement voilà, le dernier match de Shawn Michaels qui nous manque également. Et bien sûr, seras-tu toujours un fan de catch ou pas? Bah, ça dépend. Après, si. Moi, je me vois mal, putain. Grave vieux, tu sais, 70 ans, on aura des catch. Mais... Ouais, bah, moi, je sais que je serai toujours un fan de catch. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie YouTube. Donc, des questions un peu plus sur YouTube. En quelle année, pardon, t'es-tu lancé sur YouTube? D'accord, c'est-à-dire il y a à peu près combien de temps? En avril. En avril, ok. Et pourquoi? Juste le jour de WrestleMania. Ah d'accord, et pourquoi? Je sais pas. En fait, je voulais me lancer depuis 2014, mais tu sais, le podcast, parce que tu sais, en 2014, moi j'ai fait 12-13 ans. Ouais. Enfin non, 12-11 ans. Okay. Du coup, j'étais un gros petit coup. Est-ce que quelqu'un t'a fait gagner des abonnés? Avec des dragons qui font de la pub, mais je gagne un de l'abonné, sinon c'est. Non. Je sais pas si regardera, mais c'est de SKSFR, Mister Legion HT, on voit ses ciné potes d'aujourd'hui. Ok. Ben, voilà, mais sans plus quoi, il me fait rapporter 2-3 abonnés, mais ça reste toujours ça. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'est sur un live de W4FR. Un live très spécial d'ailleurs. Et après il m'a demandé, bien sûr, d'ailleurs, si vous voulez participer au It's Time to Interview, dites-le moi dans les commentaires comme l'a fait Fanatic. Pourquoi as-tu voulu faire cette émission, le It's Time to Interview? Non, je pense qu'on continuera de faire des vidéos ensemble peut-être. Je sais pas si tu regardes la review catch sur ma chaîne. Je pense que tu pourrais pourquoi pas y participer. Une ancienne série de ta. Est-ce que t'as un ancien truc que tu faisais sur ta chaîne et que t'aimerais faire revenir? Déjà, est-ce que t'as une série que t'as arrêtée sur ta chaîne? Et le deuxième vidéo que j'ai faite, elle a fait un hit.
Ok. Donc, ok. D'accord. Ah oui. Donc, prochaine question. Ton youtubeur sur le catch préféré? Ok. T'as les lives ou leurs vidéos plus? Ouais. Ouais, moi j'aime bien leur live. Le youtubeur catch que tu détestes le plus, s'il y en a un vraiment que t'aimes pas, peut-être parce que c'est un kikou, parce que il s'y connaît pas, lequel? Je pense que tu connais Inax13. Non, je ne connais pas. J'irai voir ça, mais je ne connais pas. Pourquoi tu... Inax13, avant c'était un peu étonnant, avant il était gentil au tout début, mais à la fin, voilà, après, parce qu'on s'est créé une communauté ensemble. Ouais. Et toujours là, mais bon. Peut-être qu'il y a visite pour l'instant parce qu'on fait plus de vidéos. Et ben, on veut être chef. Moi j'avais eu l'idée. J'avais eu l'idée de créer la communauté. Après, parce que c'est une communauté de potes quoi. Donc, on est tous chefs quoi. Ouais. Et donc, du coup, lui, il veut être chef. Pendant 2 semaines, plus d'une semaine, 2 semaines, il nous a demandé ça. Et puis après, on a dit, allez, c'est bon, on lui dit, c'est bon, tu casses pas les couilles, puis voilà, il est parti. Et après, voilà, après, il nous a menacé de hack et tout. Etc. Ouais. Etc. Donc, maintenant, moi, je déteste ce mec. Bah, nous on est très bien sur notre communauté, et bien sûr, tu peux en faire partie. Hein. Donc voilà, nous on est très bien. Avec WWTNAGMD, on a créé cette communauté et il y en a plein qui nous ont rejoints. Je pense à Fred The Deadman, Loulou300VP et plein d'autres gens. Et pourquoi pas toi, si tu veux. Bah, ouais, vraiment. Alors, est-ce que tu as des projets pour l'avenir sur YouTube? Ouais. Ou soit avoir Sony Vegas, tout simplement. Parce que avant, je faisais mes tributes sur Sony Vegas, et c'est juste à la fin de mon test, parce que il y a un truc que j'avais craqué, il y avait une sorte de test. Et ben, c'est juste à la fin que j'aurais fait un anime parfait, et maintenant, bah, je peux pas en profiter, parce que du coup, je peux plus avoir Sony Vegas, tout simplement. Ouais. Ok, ben, on verra. Donc, peux-tu arrêter ta chaîne un jour? Et dernière question, est-ce que tu crois aux 1000 abonnés? Aux 1000 abonnés? Ouais. Bah, c'est surtout que je fais des vidéos sur le catch. Donc le catch en France, c'est. Bah, regarde, il y en a plein. Hein. Qu'on crache plus dessus, je pense. Ouais, c'est sûr, mais il y en a plein. Il y a WWE Fan France, je pense, c'est ça le catch, Loulou300VP. Voilà, il y en a plein qui sont à bien plus de 1000 abonnés. Donc voilà, est-ce que tu penses y arriver un jour? Bah, j'aimerais pas que ça fait le mec sort, ouais, bah vas-y, moi je suis abonné direct, non? Ouais. Bah, je dirais, ouais, mais il faut vraiment que je m'améliore en tout ce qui est miniature et tout. Ouais. Et ouais, mais dans autant quoi. Ok, bon, c'est déjà la fin de cette interview. Ben merci à toi Fanatic, sa chaîne est dans la description, je sais pas du tout combien de temps ça aura duré. J'espère... 20 minutes, ben comme d'hab. 15-20, voilà, c'est parfait. Donc merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de It's Time to Interview, sa chaîne est bien sûr dans la description, allez vous abonner à sa chaîne. Merci à toi et merci à tous, bye tout le monde.